Salut, c'est Pierre. Ensemble, on va voir l'apprentissage des pas de base de la Zumba. Je vous montre ça en musique de suite. Ok, donc pour l'apprentissage des pas de base, je vous explique. Dans la Zumba, la base, vous avez quatre styles différents. La cumbia, le reggaeton, la salsa, le merengue. Sur ces quatre styles, on va travailler aujourd'hui. Bien sûr, dans la Zumba, vous avez encore plein d'autres styles. La soca, vous pouvez avoir de la samba, du décalé, tout. Vous avez vraiment, c'est vraiment très très varié. Mais nous, on restera sur ces pas de base parce que c'est la base de la Zumba. Donc, on va commencer par les bases de la salsa. Les bases de la salsa, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? On ne compte pas comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on reste vraiment sur du 1, 2, 3, 1, 2, 3. Devant, milieu, derrière, reviens. Deux profils, devant, derrière, devant, derrière. On reprend ensemble. C'est les hanches qui font votre mouvement. 1, paf, poum, paf. Devant, paf. Et on ramène. La répartition du poids de corps est la même. Donc, des fois, votre prof peut très bien le faire que à droite ou que à gauche. Ensuite, sur ce pas-là, il y a des modifications. Vous pouvez très bien faire devant, côté, devant, côté. Ça, c'est une variante. Ou alors, vous pouvez très bien faire 1 et 2, 3 et 4, pause, reviens, pause, reviens. C'est comme ça, mais la base du pas reste la même. On le fait à gauche quand même, puisque nous, on va rester symétrique. 5, 6, 7, 8, devant, derrière, devant, derrière. Avec la variante 1 et 2,
pouf. 1 et 2, pouf. Et la deuxième, dernière variante, 1 et 1, pa, 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 boum, 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 boum. On reprend à gauche encore une fois. Devant, derrière, poum, 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 poum. Ça, ce sont des variantes. Mais rappelez-vous bien le pas de base. Devant, derrière. Vous avez aussi d'autres pas, tels que celui-ci. 1 et 2, 3 et 4. Et pa, 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 ta, 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 pa, pa, pa. D'accord? Boum. Et 1. En variante de celui-ci, on va faire simple. Simple et 2, 2, simple, simple et 2, 2, 1, 1 et 2. Ok, donc ça c'est un autre pas aussi qui rentre dans la salsa. Vous avez très bien aussi ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 2, 1 et 2. Vous mettez votre poids de corps sur votre jambe d'appui sur le côté droit, 1 et 2, 1 et 2. Ça c'est votre base. Maintenant, soyez plus léger. Pa, pa, ta, ta, ta. Pointe de pied, pointe de pied. 1 et 2, 1 et 2. Et si vous le sentez, vos hanches, vous les sortez. 1 et 2, 1 et 2. Donc, quand vous êtes face, pa, 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 pa. Souvent en salsa, vous allez voir des mains qui n'arrêtent pas de bouger. En salsa, les mains sont naturelles. Il ne faut pas rajouter du mouvement. C'est pa. Vous laissez juste parler léger, mais pas besoin de faire. Non, ça, ça veut rien dire. Vraiment, la salsa, c'est ça. Tac, 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 tac. On va associer ces variantes-là. Le pas de devant, le pas de côté et le pas de derrière. On y va? Ça vous fera un petit petit récapitulatif de ce que vous pouvez voir en salsa. 5, 6, 7, 8. Devant, derrière. Encore une fois, devant. Derrière, côté, ta ta ta, ta ta ta, pa pa pa, pa pa, et derrière, droite, gauche. Ça, c'est pour les pas de base de la salsa, donc gardez-les bien en tête. Ensuite, on va voir le merengue. Le merengue, c'est très simple, c'est la marche, le pas de base et la marche. Ça veut dire que on est toujours comme ça, c'est ce que je vous ai montré au début de la chorégraphie en musique. Souvent, on peut voir ces bras-là, mais on peut très bien voir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Beaucoup de coordination avec les bras, mais ça reste souvent les mêmes. Vous pouvez très bien voir ça, ça ou ça. Je répète, côté, en haut, mais sur les côtés. D'accord? Et la marche reste la même. Vous pouvez très bien descendre. Vous faire ta 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 en haut, en haut, en haut. Mais vous restez sur de la marche. Souvent, ce que vous verrez en merengue, c'est ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Je me mets avec vous. 1 et 2, 1 et 2. Côté derrière, devant. Côté derrière, devant. Je reviens face à vous. Droite, côté, jambe gauche, derrière. Devant. Encore une fois, gauche, derrière, devant. Maintenant, réduisez l'amplitude. Côté, derrière, devant. Côté, derrière, devant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sans s'arrêter. Et ta, ta. Ça, c'est le pas souvent de base de la marche du merengue. Donc, souvent, vous pouvez retrouver ce pas. Celui-ci aussi, où on avance. Où on descend, où on peut taper dans les mains. Ok? On va faire une petite combinaison. Celle-ci. Celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que cette petite combinaison. Mais avant ça, dernier pas pour le merengue que vous pourrez trouver dans la marche. Ça peut très bien faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. D'accord? Vous pourrez très bien avoir ce qu'on appelle des mambo. Parce que ça reste de la marche. Là, je suis en marche et j'évolue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marche. D'accord? On le refait ensemble. Donc, ce qu'on va faire, je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, avance, descend. Côté, côté, en bas, en bas. Et le dernier pas qu'on vient de voir maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si vous le sentez, vous tournez. D'accord? Mais tranquille. Mais si vous le sentez, vous tournez. On y va? On essaye tranquillement. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avancez en bas. Tapez. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est notre première partie. Deuxième partie, on la reprend. Mambo, mambo. Tournez. Hop. Yes. On reprend ça depuis le début, sans musique, hein, juste pour vous, pour votre apprentissage à vous. Après, vous pouvez très bien reprendre ces pas sur la musique qu'on a vue précédemment ou alors sur une musique à vous, latine. Hein. On reprend. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En bas. Tapez. Mambo. Mambo. Mambo, tournez. Yes. Voilà pour les pas de base du merengue. C'est assez simple, ça reste de la marche. Mais voir si la mémoire ça va, on va refaire la salsa de suite. Hein? Je dis rien, on fait juste la chorégraphie. 5, 6, 7, 8. Mambo, mambo, mambo. Il y a quoi ensuite? Je sais que vous aviez oublié. Encore. Deux fois. Le dernier. Jambe droite derrière. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Boum. OK pour la salsa? Merengue. 4, 3, 2, on reprend. Pa, 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 pa. En bas, en bas, en bas, en bas. Tap, 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 tap. Mambo, mambo, mambo. Et tourne. OK pour les deux premiers styles. Maintenant, on va passer à la cumbia. La cumbia. La cumbia, c'est des rythmes plutôt lents, mais très portés sur les hanches. On est souvent cette base-là. Paf, paf, paf. Donc moi, j'ai fait ça tout à l'heure et après, j'ai fait ça. D'accord? C'est souvent comme ça. Vous vous rappelez le mambo? Eh bien, on va faire ce mambo-là. Ça aussi, ça rentre dans la cumbia. Et le plus important, la machete. Ça, c'est un pas, on est obligé de le mettre quand on fait de la cumbia, d'accord? Donc on va faire un petit bloc sur ça légèrement pour que vous puissiez avoir bien les pas de base sur la cumbia. Vers la droite, une main, comme si vous tendiez quelque chose ou vous donniez un verre. Hein. La main sur la hanche et on sort les fesses. 1, 2, 3, 4. Et là vous faites 5, 6, 7, 8. Petite base, après on va changer. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, vous pouvez très bien être comme ça. Moi, je préfère celle-ci, hein, variant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend de l'autre côté. 1, 2, 3, tournez. 5, 6, 7, 8. Donc, je vous rappelle en combien sur ce premier pas de base, vous pouvez soit décider de faire tac, 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 ou de faire poum, 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 ou de voir ça. Ensuite, comme je vous disais, il y a beaucoup de hanches, vous pouvez avoir aussi ce type de mouvement. Boum, 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 et on tourne. OK? Et souvent, ça part comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Sur l'autre jambe, jambe gauche devant. Croisé. Et là, les hanches, elles font ça. Et là, on avance. 1, 2, 3, 4, vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Ouais, encore une fois. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 8. Ouais. On refait une dernière fois. Celui-ci, droite, gauche. Et on enchaîne avec celui-là, où on lève les bras. On y va, 5, 6, 7 à la droite, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Ouais, ça commence à rentrer un peu. J'espère vous vous rappelez de la salsa et du merengue juste avant, parce qu'on va les revoir. Après, on va tout enchaîner, tous les pas de base d'un coup. Donc, on n'a pas fini. Après ça, les bras en haut, les hanches. Quand vous m'avez donné ça,
Dernier pas, la machette. Ça fait 1, 2, 3, 4. En bas, en haut. Et c'est comme si vous alliez couper quelque chose. Hein. Donc c'est vraiment boum, boum. À la fois sec et fluide sur le mouvement. Donc on descend, on remonte. En bas, en haut. Et souvent, vous allez voir en Zumba, la machette, ils vont la tourner. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, vous allez la reprendre encore. Et après, vous allez sûrement voir ça. Ok? C'est souvent ce qu'on utilise sur de la cumbia. Encore une fois de l'autre côté. Donc, en bas, en haut. En bas, en haut. Et le tour. Ouais? On reprend tout ça. La base, tac, 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 devant, et la machette. On en fait 3, on tourne de chaque côté. On commencera par la jambe gauche pour vous. C'est parti, 4, 3, 2, ça fait 1, 2, 3, 4 changés, 1, 2, 3, 4 devant, 1, 2, 3, 4 tournés, 1, 2, 3, 4 machette, 1, et boum, 2, et boum. 3, et là tu tournes, et 1, 2, 3, changer, et 1, et boum, et 2, et 3, et tourner, boum, boum, boum. Voilà pour la cumbia. Avant de passer au reggaeton, on revoit. Salsa, merengue, cumbia. C'est parti. Salsa, jambe droite devant, 1 et 2, 1 et 2, attention, côté, pa, 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 pa. La suite derrière. Ta 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 ta. Attention, merengue. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. En bas. Les mains. Tap tap. Mambo. Pom pom pom. Pom pom. Le tour. Cumbia. Et ta ta la la ta la la ta ta. Monte, monte, monte. La suite. Tout de suite. 1. 2, 3, 4 et tourne, 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 machette, deux fois et tourne, boum, 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 changement, 1, en haut, 2 et tourne. Ouais, eh bien il nous manque un style et après on reprend tous les styles et après je vous donnerai un mouvement spécial de base de la Zumba que vous êtes obligé de connaître. Donc, pour le reggaeton, les pas de base souvent qu'on peut voir, un obligatoire, la destroza. Serviette de toilette avec vous, si vous êtes chez vous c'est bien, c'est plus simple, il n'y a personne qui regarde donc ça va. Et là vous faites 1, 2, 3, 4. Au niveau des fessiers, ça va vraiment donner ça. Poum, 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 poum. C'est pour ça que je vous dis, il faut mieux utiliser avec la serviette au début pour bien la voir. Vous la prenez derrière et vous frottez. Et en fait, ça fait ça. Boum, boum. Et plus vous lavez, plus vous ouvrez. Boum, boum, boum. OK? Ça, c'est votre pas de base de destroza. Souvent, vous allez la voir sur place ou alors en tournant. D'accord? La suite, les deux steps, ce qu'on appelle un step touch suivi. Par exemple, vous allez avoir 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3 et 4. Ça, c'est une base en reggaeton. Je vous remontre. Ça, c'est la base. 1 et 2. Ramène. Encore une fois. Maintenant, on descend. Boum, boum, boum. Encore. Boum, boum, boum. Sans les bras. Encore. Et maintenant, là, vous rajoutez. Pouf, pouf. 1, 2. Option supplémentaire, si vous êtes à l'aise. Poum, 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 poum. 1 et 2. Ouais. On va aussi utiliser les genoux vers l'intérieur et vers le haut. Une combinaison qui regroupe le tout pour vous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On reprend ça. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genou, genou.
Donc, je rappelle, destrosa. Après le destrosa, les steps. Et ensuite, les genoux vers l'intérieur. Paf, paf, genou, genou en haut. Ça, c'est une base en reggaeton. Après, vous avez plein de variantes. Vous pouvez avoir souvent les variantes où en reggaeton, on retrouvera ça. Les tapes devant. Paf, paf, paf. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, pour que vous ayez bien le suivi de pas de base du reggaeton, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on refait ça. 5, 6, 7, 8. Tap, 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 destro ça. Et boum, boum, tac, tac, en bas, genou. Et on finit pa, 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 pa. Ouais, on voit le reggaeton ensemble. On refait ça. Maintenant, pour l'instant, tranquille, sans latitude. Juste, on a la choré et on mémorise. 4, 3, 2, on y va. 4, 3, 2, 1. Destrosa. Boum, 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 boum. Ensuite, genou, genou, deux fois. Genou, genou, et en haut. On reprend à partir de là. 4, 3, début de la choré. Devant, 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 devant. Destrosa. Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, et les deux, côté, pa, 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 pa. Ouais. Donc maintenant, on va le refaire une dernière fois. 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, 3, et 4. Tous les quatre styles, salsa, merengue, cumbia, reggaeton. Je parie 5 pompes que vous allez vous tromper au moins une fois. Non, je plaisante. On y va, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Devant, côté, devant, côté maintenant. Ta, ta, ta. Attention à la suite. Jambe droite et poum, poum, ta, ta. Attention. Ça, c'est salsa, merengue, ta, ta. Ta, 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 avancez. 1, 2, 3, 4, tap, 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 mambo. Tourne. Cumbia. Pa, pa, la, pa, pa, la, pa, pa, pa. Pa, pa, la, pa, pa, la, pa, pa, pa. Devant, fou, fou. Et côté. Et machete. Tournez. De l'autre côté. 1. 2, 1, 2, tournez. Et reggaeton. Boum, 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 boum. Et death, death. Trouve ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, et 2, 3, et 4. Voilà pour l'apprentissage des pas de base. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'en musique, on voit tout ça. Mais écoutez bien, quand je vous ferai ça avec le doigt, ça veut dire salsa. Quand je vous ferai ça, c'est merengue. Quand je vous ferai ça, c'est cumbia. Et quand je vous ferai ça, c'est reggaeton. Je recommence. Salsa, merengue, cumbia, reggaeton. Donc, à chaque fois que je fais ça, sachez que quand je ferai le décompte, on passe sur ce style-là. On le fait en musique.
Voilà pour tout l'apprentissage des pas de base qu'on vient de voir en Zumba. Donc, répétez-le souvent. Rappelez-vous, salsa, merengue, cumbia, reggaeton. Et entraînez-vous sur cette base-là pour pouvoir suivre d'autres cours de Zumba partout. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours d'apprentissage des pas de base de la Zumba. J'espère que ça vous a plu et que vous en avez bien profité. N'hésitez pas à répéter beaucoup les pas et surtout, faites-moi plaisir, pensez à aller vous abonner à la chaîne Elle. Et moi, je vous dis à bientôt !